Comment on fait pour accéder à la map? Ah ouais, c'est tab. Donc capitaine d'Apollon, il faut encore en tuer un. Et en fait, il faut tuer les capitaines d'Apollon et après, il faut défoncer Apollon. Salut Rock, comment vas-tu? Oh, le sel. Tu m'amènes du sel déjà? C'est incroyable. Pourtant, j'ai pas encore. Ça fait sûrement pas attendre d'ailleurs. Ce jeu là, on le connaît bien, il fait bien rager sa mère. Mais on est là pour se relaxer. Hein. C'est la soirée des mythos. Tout à l'heure, à 11h, à 10h30, pardon, on va commencer sur Edge Mythology. Comme ça, je finis les trucs que j'avais commencé. C'est une cible ça là-haut? Oh merde! Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc il faut sauter, j'imagine. Hein. Heureusement que je suis un. Moi, je suis le demi-fils d'un kangourou. Un bordel. Ça marche pas. Ah, d'accord. À moins qu'il faille vraiment tirer au milieu, c'est un peu. Ok, ça, bah, peut-être que je l'avais déjà fait, je me rappelle plus au fait, c'est possible. Bien, prenons une arme, une vraie. Spike of Crest. Donc j'ai des trucs de lancer et tout, mais on va garder une arme comme ça. Oui, ça va très bien, Rock, ça va très bien, merci. Bon, sur des jeux comme ça qui bouffent pas tellement, je peux mettre la cam. Merde, c'est un mec qui tire des. Mais tire, vas-y. Ah merde, je croyais que ça allait lui tomber dessus. Le mec il se heal déjà, je lui ai même pas enlevé de la vie, tu sais. Oh merde, oula. D'accord, lui il tire des missiles. Putain, ce truc fait super mal quoi. Je vais le garder pour un boss. Ça fait ultra mal ce truc. On va prendre, voilà, on va prendre la masse de bronze. La masse du papa. Parce que là, en fait les armes se cassent. Donc j'ai pas envie d'utiliser déjà cette grosse masse qui a l'air de faire putain de dégâts. F5, c'est sauvegarde automatique sur ce jeu? Ouais, il y a des sauvegardes automatiques, c'est bon, on est sauvé déjà. Est-ce que je peux monter là-haut? Putain, il y a un putain de truc là-haut. Faut monter sur les trucs... Ah oui, on peut s'accrocher là-haut, c'est vrai. Comment je vais faire ça? Vous voyez les machins là-haut, normalement on peut s'accrocher dessus. Ça me paraît bizarre. Faut essayer. Hein. Ah voilà, très bien. Alors c'est un truc de fermier. Là, ici il y a des trésors. Ouais, il y a du fric. Je sais pas si ça casse la masse de casser du truc. J'espère que non. Donc vous voyez au fait en bas, quand le truc est un peu craquelé en bas à droite, des armes, au fait c'est bah, c'est l'arme qui commence à être cassée au fait. J'espère qu'il y a des gens qui ont regardé la série Apothéon sur ma chaîne ce soir. Ils sont contents de voir que je continue, ou pas. Mais bon, de toute façon j'ai promis depuis le début que j'allais finir mes trucs sur ma chaîne maintenant. Truc de fermier. Ça a l'air d'être bien, on va le prendre. Si on a trouvé dans le truc d'Apollon, ça va. Salut Loubou! Mais non Loubou, je t'ai dit hier que j'allais d'abord commencer par Apothéon et puis après on fera du Edge Mythology. Je fais les deux au fait, parce que voilà. Comme ça j'avance un peu dans le contenu que j'avais pas fini sur ma chaîne. Alors là j'améliore l'armure au fait à chaque fois, j'ai des potions. Ah d'ailleurs il y a du craft aussi. Il y a des trucs, je sais pas à quoi ça sert. Hein. C'est écrit en anglais mais... Voilà, je peux craft ça. Je peux seulement faire de la vie. Je peux crafter de la vie et des feux grégeois. Par contre, je peux pas crafter de trucs qui permet de réparer. Je vois que je touche un truc, mon objet se casse, d'accord. Putain, mais ça y est, quoi. T'as déjà fini le jeu en 5 minutes, toi, ou quoi? Ah merde, je me trompe de bouton. C'est putain, je joue encore à BUBG, moi. Ok. Dans PUBG, c'est... Ah, mais c'est lui, d'accord. Il va me tirer les trucs. Putain, mon bouclier est un peu cassé. J'ai envie de lui tirer ce truc, là. Ah, d'accord. Un peu plus bas. Ah, d'accord, il y a le scénario. Il y a du scénario, du coup. J'ai tiré dans du scénario. Putain, mais il est invisible. Attends une seconde. Ok, d'accord, ce mec est un mur invisible. Bon, on va donc prendre ça. Voilà. Putain, mais il va m'énerver, lui. Il va me faire rager, déjà. Ah, il a du buff avec cette putain de soleil, d'accord. Je me souviens de cette... Voilà, maintenant, tu peux plus te buffer, mec. Contre moi, je meurs.
Putain, mais... Ça va donc cesser. Je vais prendre ma masse bientôt. Allez, vas-y, tire. Et voilà. Ça va, il était facile, celui-là. J'aurais pris ma masse, au pire. Mais c'est vrai, ils ont ces soleils, là, qui les buffent. J'avais oublié, ces saloperies. Les mecs, ils sont invincibles. Rien que ça. En même temps, c'est des dieux. Enfin, c'est des demi-dieux. Oh, putain, il a quoi, là? Wall of Ajax. Wall of Ajax. Name of the demon. Donc, c'est le... en fait, c'est le mur d'Ajax. Le mur d'Ajax. This massive tower shield protects and inspires any who takes refuge behind it. Donc c'est au fait, c'est le mur d'Ajax, c'est le bouclier d'Ajax au fait. Donc voilà, j'ai ramassé le bouclier d'Ajax. Ajax qu'on verra tout à l'heure dans Age of Mythology, hein, bien sûr. Ah, t'as vu du gameplay sur le jeu. Ouais, il est cool quand même. Et du coup, ouais, j'ai quand même le bouclier d'Ajax. Hydra Fang Found. We had craved from Hydra Bones. Ok, donc c'est des flèches faites avec des ossements de d'Hydra. Voilà. Oui, j'ai compris. Hop, coin box du fric. Je vais garder ce bouclier-ci parce qu'il est bien. Donc j'ai des flèches d'hydre pour mon arc. On n'est pas des masses. Ça c'est des flèches explosives, on va tester un peu. Alors là en bas, au fait, le truc bleu, donc à gauche vous avez l'endurance, c'est le truc vert là. Mais le truc bleu je crois que c'est... c'est quoi encore? C'est la mana. Je sais plus ce que c'est. Un peu de fric, mais donc voilà, j'ai tué tous les généraux où il y en avait encore à tuer. Je sais pas du tout, il faudra que j'aille voir. Alors j'aimerais bien avoir des trucs secrets parce qu'apparemment il y a des compartiments secrets aussi qui traînent, donc on verra bien. Ah, c'est l'armure, le truc bleu, d'accord. Qu'est-ce qui se passe avec la porte? Ah. Ah oui, c'est l'armure. Ok, avec F je me heal. J'avais plus de potions de heal, au fait, est-ce que j'ai une potion d'armure? Non, voilà, j'ai plus de trucs pour l'armure, enfin une potion, c'est des marteaux, au fait. Apparemment, j'en ai plus. Et non, j'en ai plus, donc il faut en trouver. Donc on va prendre quoi? On va prendre des flèches. Flèches explosives. Il faut que je trouve de l'armure. Bah, il faut que je trouve des marteaux et des trucs pour réparer mon armure. C'est surtout ça le problème. Ah oui, tiens, du coup... Je vais crafter un peu de potions. Regardez, il me manque des trucs. Bien. Ah, il y a un truc qui permet de crafter. Et là aussi, j'ai laissé un truc. Je veux toujours appuyer sur F, quoi. Ah, ça, je l'ai au max, j'imagine. Iron Club, ouais, bof. J'avais déjà tué pas mal de mecs ici, je me souviens. C'était assez compliqué. Enter the Palace of... Oh, il y a un trésor là-dedans, là. Vous voyez, il y a un truc qui brille. C'est vrai qu'il y a un compartiment secret, je vais aller voir. Il y a un compartiment secret, je vais jeter un coup d'œil. Je crois qu'il faut appuyer. Comment on fait pour y aller? Mais ce truc-là, ça marche pas. Bon, je vais voir. Des lives sur PUBG, je pense pas pour l'instant. J'en ferai plus tard, mais pas pour l'instant, parce que mon CPU va cramer. Mais je joue surtout avec un pote, là, pour me détendre un peu. Et étonnamment, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne rage pas trop sur PUBG, ça va. Je rage pas du tout, au fait, ça va, ça se passe assez bien. Bon, après, mon pote m'a rien dit, donc... mais normalement, je rage pas. Non, je rage moins, en fait, parce qu'au fait... Quand tu te fais tuer, c'est vraiment ta faute dans le jeu, quoi. Et que les autres ont du skill. Mais tu rencontres énormément de joueurs qui savent pas jouer, et du coup, c'est un plaisir. L'événement des prochains, tu viens en train ou en voiture? Alors, je sais pas encore, Kaiser. Parce qu'au fait, samedi, donc le jour d'après, j'ai quelque chose, au fait. Ah oui, on peut balancer un machin. Voilà, et je perds la vie, d'accord, ok. Je suis un boulet international. Oui, donc je disais, samedi, le jour d'après, je sais pas, j'ai un rendez-vous peut-être à midi. Donc si je viens à Lille, il faudra que je reparte le soir même.
Et donc je viendrai en voiture si je viens, bien sûr. Mais du coup, je vais pas boire, je vais conduire de nuit, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ah mais quel con, il suffit de l'ouvrir avec la main. Alors, upgraded leather grades, c'est des jambières en cuir, upgradées. Level 3, armor plus 6, à une nouvelle bronze mace. Assassin Zero, a pack of Assassin Zero, upgraded our assassins will never see it coming. D'accord, c'est des flèches d'assassin, on n'entend pas venir, on sait pas d'où elle vient. Alors, est-ce que j'ai mieux que ça? Leather Graves? J'en avais déjà des Leather Graves. Alors celles que j'ai reçues, je peux pas les vendre? Ah non, en fait elles fusionnent. En tout cas, on a une nouvelle masse, ça c'est pas mal. Ça c'est cool. Salut Titou, comment vas-tu? Tu vas bien? Je vais pas jouer à Arena ce soir. C'est samedi la soirée Arena. Ce soir c'est la soirée des mythos. Soirée des mythos. Ah putain, j'ai un problème avec ma souris, parce que j'ai l'impression de viser... Voilà, il est mort. J'ai l'impression de viser... J'ai l'impression... Oh, regardez, en fait, je vise en haut, et j'ai l'impression que le mec tire plus bas, au fait. Il y a dû avoir un problème. Avoir un souci. Je vais reprendre ça. Il est bien mort, hein, oui. Faut que je trouve de l'armure, au fait. Alors... Ici, on trouve des fois des trucs pour réparer. Il y a une sarisse. Alors, la sarisse... C'est un truc de piquier, en fait. C'est la pique. C'est pas mon truc le plus préféré, mais regardez la longe. Par contre, dès qu'il y a un mec au corps à corps, vous êtes dans la merde. Voilà. Ah, ce soir, c'est PS4 pour toi, d'accord. Tu te fais une petite soirée aussi, un peu, pour décompresser. Voilà, regardez, je suis un piquier macédonien. Alors, cette arme est pénible, un peu. Sauf si les mecs... Bah, si on a des archers en face, oui, on peut les défoncer. Il faut que je rentre dans le dans stone block, d'accord. Ah ça j'en ai besoin ça. S'il y a des flèches. J'avais déjà tout fouillé là il me semble. Donc, il y a des mecs qui spawnent au hasard. Oui donc en fait là on va dans le comment dire dans la salle du trône d'Apollon. Et on a tué tous ces généraux. Donc on va voir ce qu'il va nous dire. Parce que la dernière fois il nous avait taunté, il nous avait dit on pue. Parce que nous, en fait, on est une sorte de demi-dieu, mais on ne sait pas encore. Enfin, je pense qu'on a un demi-dieu, parce qu'on défonce quand même pas mal de mecs, alors qu'on est sur le mont Olympe. Donc, find the lyre of Apollon. Ok, donc il faut trouver la lyre d'Apollon. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on est allé chez lui, il nous a taunté, je n'ai pas revu mon vidéo. Il m'a dit, ouais, t'es une merde. Alors, moi, je dis, ok, je vais tuer tous tes généraux, et c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, il faut récupérer sa lyre. Et après, je sais pas ce qu'on fait avec sa lyre, on la brûle ou quoi. En tout cas, ça va le mettre en colère et je pense que ça va être le boss. Je vous dis qu'on avait en fait déjà tué, si je me souviens bien, on avait tué Artemis. Alors, on a tué Artemis et on a voilà, on a récupéré l'arc d'Artemis. On peut pas l'utiliser, je sais pas pourquoi, mais c'est une sorte de c'est une sorte de comment dire, trophée de guerre en fait. On peut pas l'utiliser, ça c'est dommage. Blades level 1, d'accord. Et c'est un jeu assez compliqué qui vous laisse un peu tout seul vous balader dans le mont Olympe. Donc on avait été chez Hadès dans le royaume des morts. On s'était fait bien massacrer l'anus, hein. On a dû quand même revenir. Parce que c'est très difficile. Hein. Artemis, on l'a du coup battu. Maintenant on est chez Apollon. Donc il y a tous les dieux. Hein. C'est un peu comme God of War, sauf qu'on est un clodo. Voilà. Alors que dans God of War, tu... T'es Kratos, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Donc on n'est jamais venu ici. Hein. On va fouiller un peu les zones. Des flèches de chasseurs. Encore des flèches de hydre. Putain, il y a des flèches partout. Hein. En même temps, c'est le royaume d'Apollon. Là, il y a un coffre. Des flèches de guerre. On peut prendre beaucoup de loot, je trouve. Burning Blade, an intense ancient flame, like a glowing sword. Alors, c'est une épée enflammée. Et un Sun Disc. Moi, je crois qu'on va reprendre le bouclier d'Ajax. Quoique, c'est à peu près la même protection. Mais les objets, ils restent sur place, donc on peut revenir chercher au cas où. Hein. Ouais, en fait, je dois buter tous les dieux. Je dois surtout buter Zeus, parce que voilà. En fait, ils ont foutu de la merde, ils ont cramé mon village. Parce que les dieux en avaient marre des êtres humains. Et du coup, bah, moi, je leur dis non, bah... Non, non, je... Non. Je ramasse tout. Hein.
je suis un aimant. Mais il n'y a personne ici. Ah, mais c'est peut-être ici qu'il y aura le combat de boss. Je vais sauvegarder. Et sauvegarde tout, c'est plaisir. Par contre, oui, il faut que je répare mon armure. Tu sais, il a quand même un ego, le mec. Alors, je sais pas pourquoi il y a des dauphins. Les dauphins ont une signification pour Apollon. Moi, je dirais plutôt que c'est un truc Poséidon, parce que c'est le dieu de la mer. Je sais pas si vous connaissez un peu la mythos. Tisis Kratos. Je sais pas comment il s'appelle, lui, au fait. Je pense qu'il s'appelle Pariades, Mémétès. Bah, c'est un mec qui a pas existé, hein. Vous en doutez. Ouais, à mon avis, ça va être la zone de combat de boss, ici. Bon, alors, je vais laisser tomber la pique. Et je vais prendre les flèches d'hydre. Ou alors, flèches de guerre. Putain, on a tellement de trucs. Ouais, on va prendre des flèches de guerre pour commencer. Les dauphins aiment chanter, c'est ça. Et du coup, Rock, tu sais où on peut trouver des trucs qui permettent de réparer les armes, si tu te rappelles encore. Il n'y a plus de musique. Hein. Quand il n'y a plus de musique dans un jeu, voilà, c'est ça, bah, c'est un combat de boss. Hein. Alors j'essaie de tout traduire, hein, parce qu'il n'y a pas de traduction pour le jeu. Tu as la patience de la mort lente. Oui, ça enchaîne. Tous ces gardes, c'est des enculés, donc ces généraux, c'est de la merde. Ah voilà, je suis le dieu du soleil, le dieu de la musique, de toutes les civilisations. Et toi, espèce de petite créature transpirante sale, tu ne mérites pas l'amour des dieux. Tout seul dans le noir. Voilà, il fait noir. Oh putain! Je suis d'accord avec vous. Je vais prendre un bouclier, hein, parce que c'est la mort. Je vais prendre la masse qui fait mal. L'épée enflammée, oui! J'ai une épée enflammée, bien sûr! Ok. Donc vous savez quoi? Oui, bah c'est le dieu du soleil, bien sûr. Putain, le. Ok. Viens me chercher si tu veux, ma mort! Apollo! Apollo! Ah d'accord, le mec il jette des bombes, d'accord. Non! Putain, mais le mec il vole! Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, j'ai l'impression d'être un handicapé moteur. Non, mais si! C'est horrible, il vole le mec. Mais pourquoi tu voles? T'as pas ton chariot? Pourquoi t'as besoin d'un chariot si tu sais voler? Ah, ça fait balle, hein, le feu. Mais ouais, hein. T'as beau être le dieu du soleil, petite flamme dans le cul, ça brûle. Hein. Putain, j'ai pas d'armure. On va se booster. Attendez. Alors c'est un jeu où il faut pas avoir peur d'avoir des retraits stratégiques. Ouais, j'aurais dû aller à l'agora voir le forgeron. Je suis vraiment une victime là. Mais il perd pas de la vie quand il se... Attends. Non! Ah bah pourtant je vais me booster avec un peu de potion. Ah oui, mais le mec il traverse les murs, c'est incroyable. Always my radiance will bear down on you. Putain, mais le mec, il est rapide, hein. Je sais pas du tout où il est. Il s'amuse tout seul. Ah, putain! Ah, voilà, il est touché. Ah, merde, il a du mal. Attendez, je vais prendre ma masse. La grosse masse qui fait mal, voilà. Le problème, c'est que je vois rien, mais c'est pas grave, hein. Vous avez remarqué, en fait, on est sur un mur. C'est incroyable. Putain, le mec il se TP. Hop là. Ah putain, le chien. Vous pouvez le toucher. Il faut une arme plus rapide, je crois.
Ouais, je pense qu'il faut l'un plus rapide. Mais l'épée, elle est pas mal, mais... c'est la merde. Le jeu est en pause quand je peux crafter. Oui, je vais crafter. Et du coup, j'en profite pour lire un peu le chat. Ah, Hephaistos, oui, non, il faut que j'aille à l'Agora voir le vrai le forgeron, comme dans tous les RPG. J'ai pas besoin d'aller voir Hephaistos. Hephaistos, de toute façon, je vais devoir le buter, je pense. Et qui bute tout le monde, c'est... Il bute tout le monde, mais c'est un clochard. Hein. Oh putain, il y a la vie ici qui traîne. Triple Valiance. Ça fait quoi, ça? Ne vous inquiétez pas, le jeu est en pause. Hein. Drop of Radiance, gain light air. Ah d'accord, ça fait une aura de lumière autour de toi. Olympic Torch. Vous savez quoi? On va y aller. On va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Et je vais boire un de ces trucs. Voilà, hop, tac. Voilà, qu'est-ce que tu dis là? Viens là, salaud. Mon salaud. Ça fait mal, hein, se faire tuer par ses propres armes. Allez, on boit un petit coup. Ah, bien évidemment, il me tire dessus au moment où je bois. Elle tire! Ah, maintenant il a un bouclier le mec, d'accord. Allez, je vais me poser 2 minutes. On va la tirer dans le couloir, ça a l'air d'être beaucoup plus safe au fait. Il est touché. Je l'ai touché. Alors, au fait, l'arme en feu, il l'a aussi, l'épée enflammée. Mais j'ai touché. Le couloir, c'est le bon plan, je trouve. Je pense que c'est mieux de tirer au fait. Ah merde. Ah merde, j'ai plus de flèches. J'ai plus de vie non plus. J'ai des feux grégeois aussi. Et Faisto, c'est un gentil, d'accord. On verra si on survit. Hein. Merde, je me fais... Attends. Merde, j'ai plus... Attendez. Putain, j'en ai marre. Ah ouais, mais c'est sûr que si lui, il a les trois trucs, ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'on est fini, là. On est en train de mourir. J'ai pas... Ils auraient dû mettre des trucs pour réparer, quand même. Olipen... Ah, ça, d'accord. Des flèches olympiques. Ah, c'est difficile. Hein. C'est très difficile comme niveau. Le mec, il est ultra rapide, quoi. Alors. Voilà. Je pourrais me taper un truc. Mais je vais plutôt... Je vois rien. C'est l'horreur. Je veux monter là-haut, en fait, près du bouclier. Ah non, mais laisse tomber, ça va être difficile. Ah, j'ai récupéré l'armure, là. Okay. Je veux monter là-haut, mais je vois rien. Ah, merci de me faire la lumière, Robert. Ok, okay, c'est bon plan, je pense. C'est pas cool pour vous ce... Putain mais... Non mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est quoi ce bordel? Attendez, attendez... Non le 1. Oh là là, mais le jeu est injouable. Alors... Je ramasse tout ça. Maintenant il recommence à tirer. Mais je comprends pas. Pourquoi des fois... Ah je vais ramasser ça. Tiens. Pourquoi des fois il te fait de la mêlée? Et quand t'es prêt pour le défoncer... On va mourir, c'est pas grave. C'est terrible pour vous ce genre de niveau parce que vous voyez rien. Bon, moi non plus, mais. Qu'est-ce que je
pourrais faire. Est-ce que j'ai ramassé de quoi faire une potion là? Ouais, ouais, cool. Oh mais putain, mais il tire au moment où je bois à chaque fois, c'est terrible. On dirait que le jeu il le fait exprès quoi. Il était pas là et puis après naturellement. Quoi? Oula, là c'est pris. Ouais bah évidemment que je me la prends, tu sais. Putain, je tire comme une... Je tire comme un mollusque quoi. C'est affolant. Mais non, reprends ton bouclier, connard! Putain, quel con, mon personnage. Le bouclier du soleil, il fait de la lumière, peut-être. On va aller le chercher. Ouais, blanc, c'était bon, ça, c'est bon. On va aller chercher le bouclier, parce que je pense que c'est le bon plan, ça. Merde, je vais où? Ouais, bah... Oui, d'accord. Ok. Je ferme la lumière, je t'ai pas dit de me tirer. Ok, d'accord, je suis complètement paumé. D'accord, c'est par là. Ah, mais on peut le voir sur la map, le mec? Non. C'est incroyable, parce que même quand tu protèges, tu brûles, quoi. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant j'ai un bouclier. Allez, viens là. Espèce de lâche. Ça, c'est bien, ça fait la lumière. J'aimerais essayer de le revoir en mêlée. Oh putain! Mais quoi? Ah. Il faut arrêter de se toucher deux minutes. J'ai eu, hein. Non mais descends mec, ce que tu fais? Arrête de faire le babouin. Oh putain, laisse tomber, il fait beaucoup trop mal quoi. Enfin, moi aussi je fais mal mais le problème c'est que j'ai déjà plus de points de vie à la base. Holy Pindars. Alors j'ai quand même un PV max de 50, donc je reviens à 50 à chaque fois. C'est pas dommage, hein. Ça serait assez compliqué sinon. Putain, espèce de ce chien. En fait, c'est quand il tient les bombes qu'il faut essayer de le choper. Voilà! Est-ce que je sauvegarde? J'ai plus beaucoup de PV. Parce que de toute façon, si je charge, je vais mourir. Ouais, tu viens. Viens ici! Bordel. Ah! Oh, envoyez mon trou dans ma gueule. Oh, attention, il y a les flèches. Hein. Ah, putain! Ah, tiens, bouffe ça. C'est vraiment quand il tient ses bombes qu'il faut essayer de le pécho. C'est quoi? Ah, on peut pas sauvegarder en combat, d'accord. Le jeu est dégoûtant. Qu'est-ce qu'il fait là en bas? Reviens ici. Vous inquiétez pas les amis, hein, ça s'arrange. Non mais je vais pas descendre en bas. C'est le piège à con ça. On va attendre qu'il remonte. C'est bien parce que le bouclier fait la lumière, donc on est bien. Oula, ouh, dans le cul. Ah ça fait mal ça, hein. Wow, là, elle fait mal cette masse, hein. Je suis content de la voir. Mon bouclier est cassé, là. Ah, il me tire dessus maintenant. Ah, tiens, coup de masse dans ta tronche. Putain, il est à poil, hein. On a vu ça, on a vu son machin. Très bien. On a terminé, Apollo.
La lyre d'Apollon. Gift to Apollo by the infant Hermes. Donné par Hermes, who crafted him from tortoise shell. Donc c'est la lyre d'Apollon a été faite par une carapace de tortue. This is the first of his lyre, donc sa première lyre. Eternal music is power command. Ok. Donc le pouvoir de sa musique contrôle le soleil. Lyre d'Apollon. D'accord. Je vais où là? Ah non, je me casse. Il m'avait du loot là, non?